salut dans cette nouvelle vidéo de l'équipe et on se retrouve aujourd'hui les gens pour une vidéo avec une importance capitale. Ça faisait tellement longtemps qu'on l'avait pas fait et depuis il y a eu beaucoup de nouveaux brawlers qui sont arrivés sur Brawl Stars avec la petite méga boîte. En tout cas, faut mettre prendre, Spike, un maximum de pouces bleus à s'abonner à la chaîne et à dire si ça vous plaît. Qui va chercher Spike, ça va nous donner de la chance. Et puis t'as aussi l'ours de Nita aussi. Ah bah je prends tout alors. Allez vas-y, c'est la fête. Moi je prends l'ours de Nita. Vas-y, prends l'ours de Nita. C'est confortable. Nita. Mais moi je prends Spike. Voilà, nous sommes bien accompagnés dans cette vidéo pour juger les brawlers. Ce sera notre unique jugement, ça n'engage que nous et c'est ce que nous pensons d'après des heures et des heures et des de heures jeu. Et des heures. Et des chacun heures et des son heures. Avis, chacun, voilà. D'ailleurs faut pas hésiter à nous dire vous dans les commentaires ce que vous et pensez de tous ces brawlers là. À utiliser le code créateur GEK dans la boutique Supercell, que ce soit sur Brawl Stars, Clash Royale ou Clash of Clans ou Heyday et Bomb Beach pour s'il y en a qui jouent à ça. Et donc, c'est parti. Ça fait deux ans. Ça fait un peu plus de deux ans qu'on n'a pas fait. Et du coup, en deux ans, il y a beaucoup de brawlers. Bah, là, il y a les 57. Donc, il y a Bonnie et il y a Janet. Ça sera un petit peu en avance. Oui. Sachant qu'on les a testés. Oui, donc on peut avoir un avis. On peut avoir un avis, mais avec réserve. Ouais, avec réserve. C'est ça. Voilà. En gros. Donc, best, cool, mouais, nul, toxique. Moi, je pense que toxique, il y en a plein. Il y en a plein, ouais. Ouais, ça va être dur, hein. Ça va être dur, après ouais. Cette catégorie, je dirais. Mais après, de toute façon, c'est vague, hein. Ça peut pas être très précis. On peut pas faire la tier list des meilleurs attaquants, la tier list des meilleurs tanks, la tier list des... Voilà, c'est non, une tier list globale. Ouais, une tier list de tous les brawlers. Donc, mettre un maximum de pouces bleus, hein. Il faut nous dire votre avis si vous êtes d'accord avec nous, si vous, ça vous choque certains brawlers en mode... Exactement. Mais non, c'est mon brawler préféré, voilà. Il est trop bien. Voilà, faut nous dire dans les commentaires. Arcade. Il est pas toxique, il est pas nul, il est pas mouais, il est cool ou best. Il est cool, moi je dirais qu'il est cool. Il est cool. Il est même best. J'ai fait des bons moves avec. Ouais, tu fais des bons moves avec son gadget et tout. Je dirais qu'il est bien. Il est bien, mais du coup cool ou best. Je dirais que c'est un best dans le sens où tu vois pas beaucoup. C'est vrai, c'est vrai que c'est cool. On va mettre ceux qui sont forts mais qu'on voit trop. Ouais, il y en a du toxique, il y en a du toxique. Il y en a qui vont être séparés aussi. On va les couper en deux et mettre dans chaque catégorie, tu vois. Ambre. Alors c'est tout mélangé, hein. J'ai trié et en fait quand Ambre, je me suis reconnectée... Ambre, elle est cool. Ambre, elle est cool. Elle est pas best, toxique. Elle est pas toxique, elle est pas mouais parce qu'elle est quand même très forte. Mais je trouve qu'elle est pas best. Oui, oui, oui. C'est pas mal. Oui, 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 c'est objectif. C'est objectif. Là, on garde les tags dans les collectionneurs, vous avez marqué super. Oui, celui-là, non, il n'y a pas de tag. Il n'y a pas de tag. Il est trop mignon. Il a son petit sac. Ah oui, on aurait pu faire des skins et tout, mais bon, là on part pour 10 ans. Ça va être long. H. Je dirais mouais. Parce que, en fait, c'est un bon brawler, moi j'aime beaucoup. Oui, moi les aussi. Pouvoirs 10 avec des déplacements dans le buisson et tout, il est giga fort. Mais il y a beaucoup, beaucoup de modes de jeu et de maps. Il y a trop de brawlers qui l'éclatent, quoi. Ouais, voilà. Je dirais mouais. Mouais aussi. Il est efficace, mais il va être utile que dans certains modes de jeu. Ouais, ou ouais, certaines maps. Ça. Certaines maps. Bartaba. Il est cool. Il est cool. Fait partie des best presque. Ouais, il est cool, il est cool, il est cool. Il est cool. Il est cool. Ouais, ça va être dur, hein. Il est cool. Ça va être dur, ça va être dur parce qu'entre cool et best, en fait tous les brawlers sont très bien. Je dirais pas qu'elle est encore toxique, mais je dirais non, ça va. Que ça fait partie des best. Mais je dirais qu'elle est best aussi. Elle est, parce que en fait c'est un brawler qui est qui fait giga mal de près, de loin, mais qui va ralentit. Pas travailler pendant 10 ans. C'est soit tu directs, soit tu arrives à la tuer, ça, mais c'est pas genre en mode pendant 10 pompes, ça ouais. Essaie de grappiller des petits points de vie là, tu vois. Oui, 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 ouais, c'est ça. Torvac, oui, c'est ça, exactement, exactement. Belle, moi j'aime bien jouer avec elle. Après, efficace, en fait, il aurait fallu mettre efficace plutôt cool, efficace. Parce ouais, que, en fait, ça veut rien dire cool. Oui, oui, oui. Oui, elle est efficace. Elle est forte, elle ralentit. Mais en même temps, c'est pas la best. C'est pas un perso que. Bah, c'est pas notre best perso. Enfin, c'est pas le perso que j'ai envie de jouer, forcément. Ouais, ouais, ouais. Enfin, elle est bien. Elle est bien, mais il y a pour nous mieux. Billy. J'hésite parce que, avec le nombre de nouveaux persos qui la contre. Elle est efficace, mais c'est un peu comme H. Moi, j'hésite entre moi et toxique. Ça a l'air assez toxique, Billy. Généralement, c'est quelqu'un qui reste. Moi, j'en vois pas beaucoup. Hein. Ouais, parce que tu joues pas assez. Non, je joue pas assez. Mais j'en vois pas mal qui sont. Qui campent. Ça campe beaucoup, les Billy. Hein. Ça campe, ouais, mais les ça Billy, va. Hein. Ouais, mais ça va. Non, il y a pire. Il y a pire. On va dire moi. Bonnie. On va mettre une réserve. Je pense qu'on va dire efficace. Moi, je dirais efficace, voire best. Donc, elle arrivera début juin. Ouais, on découvrira ça. On garde nos boîtes, là. On garde nos boîtes. Hein.
On garde on économise tout. Ouais, on va pas trop juger parce qu'on la connaît pas encore parfaitement. Non, on non, l'a non, testé, mais pas en mais vrai. Mais pas en vrai, donc c'est compliqué à pas juger. Dans de réelles conditions. Oui, voilà, c'est ça. Beau. Peut être toxique, lui aussi. Ouais, le problème, c'est que je roule, tous les brawlers sont toxiques. Bah, en fait, Beau, il est efficace, c'est un des premiers brawlers, donc tout le monde l'a. En fait, problème... est-ce qu'on juge les brawlers ou les gens qui jouent ce type de brawler? On juge un peu les deux. En fait, Beau, il est Beau, bien. Je dirais. C'est un très bon brawler, ouais. Mais il est beaucoup trop joué parce que tout le monde l'a. Mais en même temps, il est pas si toxique que ça. Après, ouais, ça dépend quelle map. Il est efficace, il est efficace. C'est vrai, c'est presque un best. C'est un best parce qu'en fait, Beau, il a quand même la vision. Oui. Que personne n'a. Il a le stun. Et du coup, c'est trop efficace. Voilà. Oui. Voilà, ouais. C'est tout. Si, il y a Tara, mais c'est efficace, c'est éphémère. Là, on peut parler de toxique. Ah, là, on peut mettre. Là, parce que déjà, le brawler est toxique. Oui. La façon de jouer des gens qui jouent Brock est toxique. Et en fait, c'est vraiment, tu vois un Brock, tu dis, il va être chiant. C'est-à-dire que tu le vois, tu dis, ah, il va être relou. C'est sûr, parce qu'en fait, c'est Brock, c'est tout. C'est-à-dire que ceux qui jouent Brock, ils sont toxiques. Ceux qui jouent de la manière. Enfin, la manière de jouer à Brock à 800-700, eh ben, c'est toxique, tu vois. C'est-à-dire que. C'est pas stylé, tu vois. Oui, c'est... C'est ouais. Quatrième roquette, non, si hop, ça, je saute, si ça peut machin. Être stylé, mais non, mais c'est il est très fort, mais c'est toxique. Oui. Voilà. Boule, ça peut être toxique aussi. Ouais, mais ça va. Franchement, il est pas joué tant que ça. Hein. Mouais. Ouais. Ouais, mouais. Mouais. J'hésite entre toxique et toxique. Non, en vrai, ça va. Ça va, ouais. Il est hyper best. Fort. Je dirais qu'il est pas assez utilisé, fort. Moi. Ouais, il ouais. est très, très, très fort. Oh, bah, allez, hop. Avec ton... Le petit duo de toxiques, ils sont mignons, regarde. On jouerait pas ensemble en survivant duo et puis on embêterait pas tout le monde. Tiens. Faudrait mettre best et toxique en même temps. Ouais, parce qu'en fait, ouais. ils sont géniaux, ils sont hyper bien. Ouais, ouais, mais ouais. En fait, ils sont ultra. Ouais. Vas-y, ouais. Tu mets best mais toxique. Ah, ce Byron, il est incroyable. Il est incroyable. Bah, franchement, Byron, allez, j'exagère. Bah non, il est best, mais il est toxique. Best. Non, mais c'est best en bas. Hein. C'est pas le plus toxique. Moi, Byron, je oui, kiffe. Ouais, il est quand même ouais. très efficace. C'est faut pas quand le même, plus toxique, faut quand même du niveau pour jouer. Oui, oui, parce que c'est justement. Faut viser plusieurs fois de suite au bon endroit. Et puis tout. Il fuit pas. C'est pas justement Brock qui fuit par dessus les. Ouais. Non, ouais. oui. Il vous faut un peu de skill pour le jouer quand même. Karl, c'est entre mouais et toxique, tu vois. Non, franchement, il est pas assez joué, Karl. Il est efficace. Il est hyper efficace. Il est fort. Il est. Non, franchement, on va comparer avec ce qu'on avait fait. Je pense il y a 2 ans et c'est complètement différent. C'est possible. C'est possible. Parce qu'on ne jouait pas autant. Oui. Colette, elle est best. C'est un brawler, mais de malade, ouais. qui est sous-côté. Qui a été sous-côté, surtout au début. Mais parce que, en fait, je pense que c'est toujours une question de design, tu vois. C'est-à-dire que bah, Léon, forcément, tu vois, bah, d'ailleurs, Léon, il est où, Léon ? Il est... Je cherche Léon. Là, voilà. Léon, c'est un petit perso avec sa capuche, il est un peu mystérieux, donc en fait, il est bien aimé, tu vois. Oui. C'est Léon, en plus, il s'appelle Léon. Léon, ça parle à tout le monde, tu vois. Oui. Et il est Léon dans toutes les langues. C'est un caméléon. Léon, tu vois. Colette, bah, je pense qu'elle plaît moins, déjà. Oui. Mais elle est mortelle. Oui. C'est-à-dire que oui. j'ai joué en survivant solo avec Colette, elle est imbattable. Si jamais tu joues bien avec le gadget qui redonne la vie et tout, oui. elle est imbattable. Elle est imbattable, ouais. Vraiment. Elle est vraiment elle est giga ouais, forte. Ouais, ouais. Bon, désolé Léon, hein, mais bon, t'es toxique. Colt, toxique. C'est un best, il est incroyable, brawler. Non. Colt, pirate. Colt, pirate. Alors lui, il a une case spéciale giga toxique. Hein. Attends, est-ce que je veux créer une autre ligne ou pas? Giga toxique. Alors. Ouais, mais il faudra mettre la ligne en dessous. Hein ? Il faudra mettre en dessous la ligne. Voilà. Je pense qu'il n'y en aura pas de nul. Je pense qu'on peut enlever giga nul. Toxique. Parce que Colt, quand tu vois un Colt arriver. Pirate. Avec le pirate. Voilà. Vous connaissez cette situation. Ou alors peut-être que vous la créez aussi. Peut-être que vous jouez Colt pirate. Mais quand tu vois un Colt pirate arriver, c'est jamais bien. Connais Médor. Je pense que c'est un efficace. Je dirais pas que c'est un best parce qu'il est bizarre, moi, mais. Ouais. Mouais, je trouve que comparé à, justement à Colette, bah il est mouais. Il est bien et tout avec son. Quoi tir que et Léon, tout. Il est en giga toxique aussi. On vérifiera après. Moi, je mettrais plus une autre que Léon, dans le même genre que Léon, en giga toxique. Oui, on verra. Ouais. Best. Korbach, c'est best. C'est best. Moi, honnêtement, Korbach est pas toxique dans le sens où en fait le seul intérêt de Korbach c'est de faire justement de grappiller des points. Bah justement, en fait, t'es un obligé. Peu comme Byron. Il faut avoir du skill. Daryl. Efficace. Ça, ouais, efficace. Il est pas trop toxique. Non. Parce que, en fait, tu le vois surtout en. Il est toxique surtout en Brawl Ball. Ouais, il est toxique en Brawl Mais Ball. Après, dans les autres modes, ça va. Ouais, non, ça va. Non, ça va. Non, il est bien. Mineur. Ah bah, best. Parce qu'on le voit pas beaucoup, hein, au final. Hein. Au final, on le voit pas beaucoup. On le voit vraiment pas beaucoup. Hein. Et souvent, ceux
qui jouent Dynamite, non, ils savent voilà. jouer, en fait. C'est objectif ou non, c'est notre avis. Non, mais c'est notre avis, hein. Vous dites ce que vous voulez. Oui. On n'offense personne, hein, c'est pas grave. Hein, c'est juste le ressenti qu'on a oui. en ce moment sur le jeu. Ah bah là. Ah bah là. Ouais. Ah bah là. Oh bah, ils se ressemblent, ils sont mignons. Bah, giga toxique, hein. Ouais, parce que je fuis pour aller récupérer Gem, je fuis pour justement parce que j'ai tapé, enfin je vais mourir. Dash, je reste caché. Ouais, non, c'est ouais. Costaud, efficace, moi, efficace. Parce que j'aime bien ses moves où il balance, il essaie de refaire son ulti. Ouais, c'est pas trop ouais, mal. Ouais, j'aime bien aussi. Ah non, mais Elisa. Bah c'est toxique et best, je dis rien. Moi j'irai les deux, ouais. Ouais, parce qu'on la voit trop. On la voit trop en défense de zone. En tout. Zone réservée, on la voit beaucoup en Brawl Ball, on la voit beaucoup en Asia Gem. En fait, on la voit partout. On la voit partout. D'ailleurs, qu'elle est partout, donc quand c'est comme ça, c'est toxique. Ouais. Jean, je dirais que c'est efficace, parce que même les skins de Jean et tout. Le perso de Jean, il est vraiment bien. Ouais. En fait, faut aussi juger, c'est-à-dire que c'est global. C'est-à-dire qu'il y a le brawler, la façon de jouer des joueurs, et avec le design, brawler. Et qu'est-ce que représente le perso. Est-ce qu'il est stylé ou pas, tu vois. Jean est stylé. Il est fort, il est un peu, tu vois, style Korbach, il va grappiller des points et tout. Ouais, mais il est pas fort. Mais il est pas si fort que ça, par rapport justement donc à un Korbach. Je dirais. Mouais, je dirais presque mouais. Mais, ah bon mais oh comme non. il est stylé, je dirais efficace, mais j'aurais dit mouais, tu vois. Eve, bah best. Elle est pas toxique, elle non, est juste trop forte. Ouais. Non, elle est juste trop forte. Il est très 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 fort, mais faut quand même savoir jouer un minimum oui, avec, c'est et c'est... tu peux l'éclater. Oui, c'est ça. Voilà. Fang, je dirais, c'est toxique un peu. Mais. Franchement, ça va. Moi, je trouve que ça va. Moi, je dirais best, c'est toxique. Mais en même temps, best. Il est efficace. Incroyable. Il est incroyable. Franck, je dirais efficace. Ouais. Franck, il est vraiment bah, efficace. Bah, c'est en fait les brawlers qui tapent pas de loin ou de près. J'ai Franck, il tape de loin et de près. En fait, le problème, ouais, c'est qu'il va, y a beaucoup va, de modes de jeu. On va rien mettre en nul, en fait. Si, ah, un. Si. Un. Moi, je dirais un. Lui, là. Non. Non. Moi, je dirais Grom. Ah, ouais. Le fait qu'il est complètement ouais. Bah, pété, attends. Oui. Gael. Bah, best. Et là, il est trop fort. Ouais. C'est Eve. Vous voyez, Eve, bah Eve et Gael, c'est les brawlers ouais. les plus forts du jeu. Oui. C'est-à-dire qu'il est efficace dans tous les modes de jeu, il est giga fort, il maîtrise la game. Gael, pareil, il est pareil, incroyable. Pareil, lui aussi, voilà. Ils sont trop forts. Après, ouais. c'est peut-être un jugement aussi de survivant solo, hein, ou survivant duo. Hein. Bah non, parce qu'on les voit en... On fait la coupe, pas la coupe ah non, star, Griff, là. Moi, je l'ai fait avec les robots, là, pété, là. Comment s'appelle le mode de jeu. Assaut bot. Oh, Griff a toutes les games avec Griff. Ah ouais, moi j'avais Tara. Il est giga fort. Il est giga fort. Ouais, bah oui, il est juste giga fort. Il est pas toxique, il est fort. Ouais, voilà. C'est sûr. Grom, bah voilà, désolé, c'est ta catégorie. Bah en fait, il était incroyable. Et il est devenu. Il est devenu. Il est non, il est. Il est pas nul, mais en fait, il était tellement incroyable. Parce qu'il était tellement ouf, ouais. Que en fait, le fait qu'il est downgrade, bah en fait, il est devenu inintéressant. Bah ils l'ont buff et ils l'ont nerf et du coup, bah ouais. Mais ils l'ont nerf, mais de malade en fait. Beaucoup trop, justement. Bah je trouve en tout cas. Ouais. Et en fait, il était mais plus que best, et il est devenu, alors pas nul, mais sauf que... Y a deux nuls, hein. Ah, quoique, je sais pas, c'est chiant, parce moi, que... Moi, je mettrais mouais. Je dirais mouais, ouais. Elle est quand même bien. Dans certains modes de jeu. Mais, ah, punaise, tu peux rien faire quand t'es en mode meg simple, en fait. Ouais. Jackie, tu sais, elle pourrait presque être nul aussi. Bah, c'est pareil, c'est mouais. Ah ouais, moi, je dirais mouais, ouais. Tu joues avec... Franchement, je sais même pas dans quelle catégorie... Jackie, ouais. Tu joues... Ouais, c'est vrai, on le voit plus, on le voit rarement et tout. Hein. Vraiment. Elle est ultra pétable, justement, ouais, contre ouais. plein de brawlers nouveaux. Ouais, Jackie, elle est partie dans les oubliettes. Ouais, de ouf. Ah, j'avoue, de ouf. Janet, je pense qu'elle va être dans les bests parce qu'elle est très efficace. J'ai l'impression, surtout en survivant ou en Razia. En fait, surtout en survivant. Ça va être un des brawlers les plus forts en survivant, je pense. En fait, elle va parcourir la map, elle va pouvoir délocaliser bah, tout le best, monde. Hein. Jessie best. Ouais, hein. Jessie. Ça n'a rien à dire, c'est tellement efficace. Ouais. Lola, Lola je dirais efficace. Ouais. Je dirais pas best. Elle fait très mal. Celui qui fait le plus de dégâts, non? Ouais, mais justement, elle fait que des dégâts, en fait. Ouais. Elle est pas. Elle ralentit pas. Tu vois, contrairement à Jessie. Est-ce que Lou, il irait pas en best? Ah bah, Lou, il est best. Ouais. Il est incroyable, Lou. Il est best. Mm. C'est sûr et certain. Ouais. C'est obligé. C'est obligé parce que c'est des brawlers qui sont. Qui maîtrisent le jeu. C'est-à-dire oui, c'est que ça. Lou, c'est ça. Comme Gaël, tu vois. Après, c'est moins. Gaël, c'est vraiment trop. Non. Gaël, c'est beaucoup trop. Ouais, Lou, ouais. En fait, avec le fait de glacer et immobiliser les joueurs. Non, c'est bah, en fait, tu peux l'utiliser dans tous les modes de jeu. Alors, bah là, ouais. Gigatoxic. Et la palme d'or. Ah, du... ouais. Là, je pense qu'on va le premier. La palme d'or du Gigatoxic. Ça. Max. C'est le brawler le plus toxique du jeu en ce ouais. moment. En tout cas, en survivant. C'est vraiment le pire. C'est-à-dire que Edgar, limite, il est même pas toxique, tu vois. Il est genre en mode efficace, tu vois. Non, il est quand même un peu toxique. On le voit quasiment pas.
Oui. Max, c'est horrible. Ah ouais, Max, c'est horrible. Franchement, quand tu te retrouves avec des games... Là, t'en as joué à 850. Avec 5 Max. Horrible, horrible. Ah, même Léon, il est pas aussi toxique. Ouais. Monsieur M. Bah, best. Best. Il est incroyable. Déjà, rien que quand bon, il est sorti... Déjà, rien que son design. Non, mais rien que quand mais il non, est sorti, il pétait... Oui, bah déjà, son design. Il pétait Dynamite et tout. C'était énorme quand il... Enfin, au tout début, quand on avait la sensation de se dire on peut avoir Dynamite de l'autre ouais. côté du mur, en fait. Et c'est là où ma... J'ai changé là-dessus. Pour moi, c'est un best. C'est plus un toxique. Parce que... Justement, Edgar a remplacé Mortis. Ouais, et ben en fait, Mortis est devenu vachement intéressant à jouer. Et en fait, il est juste giga fort. Et oui. en fait, il est juste giga fort, c'est tout. Et il est fort, et franchement, je le croise plus. C'est vrai qu'on si, croise Si, après, vraiment, ouais. oui, peut-être dans les modes de jeu comme Razzia Jam, Roll Ball, ça... Après, ouais, non, il est toxique. Non, non, il est best et toxique. Non, non, il est pas... Il est best, il est best et toxique. Non, non, parce qu'en fait, si tu réfléchis bien, parce que nous, on joue beaucoup en survivant duo, mais... Oui. Non, non, oui, oui. En Brawl Ball, en Razzia et tout, il y a toujours, il y en a un, et puis tu ouais. fais, oh punaise, c'est ouais. trop chiant. Pouvoir 11, et tu fais, oh. Oui, 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 oui quand ouais, même. Non, non, c'est chiant. Ouais, c'est Nani chiant. Best. Nani Best. Nani, Nani Best. Parce qu'il est trop fort, parce qu'il oui. fait à mort de dégâts, c'est oui. sûrement un des brawlers qui fait le plus de dégâts aussi vite. Oui. Non, parce qu'il y en a d'autres, mais. Non, non, mais il est incroyable. Il vaut Byron, quoi. Ouais, 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 il ouais. est incroyable. Si on parle que de braquage, je dirais que c'est toxique. Toxique. Après, si on parle de tout en général, je dirais que c'est efficace. Parce que c'est pas le meilleur brawler pour survivant, pour plein de pour plein pas, de elle de a jeu. Pas assez de portée, heureusement. Sinon, oui. Tu l'as ouais, ouais, de ouf. Pam. Bah, best. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Elle est trop forte, presque voire Et elle presque est sous-côté. Elle est vraiment sous-côté. C'est un des meilleurs brawlers du jeu. Oui. C'est-à-dire que tu le prends, dans n'importe quel mode de jeu, t'es sûr de bien réussir, oui. un minimum. Oui, c'est ça. Razzia Jam, elle est pétée. Oui. Survivant, elle est pétée. Ouais. Elle soigne tout le monde. Brawl Ball, elle est, enfin, elle est forte dans tous les Non, elle est incroyable. Elle est, incroyable. En fait, là, tu peux te faire une tier list de persos qui vont peut-être pas être bannis. Et qui, oui, parce que faut les bannis, ça va être plutôt ceux du bas, tu vois. Ouais, Penny, c'est. Moi, j'irais efficace. Ouais, efficace. Parce que là où Jessie ralentit, ouais, non, ouais. où elle accélère son truc, quoi, elle soigne sa tourelle, Penny, elle fait pas grand-chose avec sa tourelle. Efficace. En fait. Ouais, je trouve qu'elle a été remplacée. Bah, je pense que Béa, elle est mieux. Et Belle, et elle est belle aussi. Et Colette. Ouais. Ouais. Et Colette est belle. Parce que le fait que Polly ait une distance. Bah, Bonnie, je dirais. Enfin, je sais pas. Moi, je pense que c'est Janet. Non, mais on qui sait pas, Bonnie. Je pense que c'est Janet qui va rendre plus forte. Je pense, ouais. En tout cas, elle a l'air, hein. Vraiment. Après, non, elle est fort en mode Léon, là. Hein. Ouais. Oh, tout le monde va l'avoir. Oh, punaise. Ouais. On n'y pense pas, c'est... on n'y est pas encore. Bientôt, bientôt. Poco, bah, best. Best. Parce que sous-côté. Sous-côté, c'est bah comme ça. Un des meilleurs brawlers. Bah parce que le... c'est pas un attaquant, tu et en fait c'est un non, bon mais... défenseur, et en fait tout le monde oublie c'est les défenseurs. Non mais c'est jamais banni. Tu oui. fais Pam Poco Monsieur M, tu gagnes la game. Tu fais Pam Poco Byron, tu gagnes. Non mais Pam Poco BA, Pam Poco oui, Fang, oui. Pam Poco Tourelle, là, ouais. Penny. Ça, tu fais ça. Ça marche. Oui. Jessie, pardon. Oui. Pam Poco Arcade. Pam Poco Arcade, quoi. Ah bah là, oui, bah oui, tu gagnes. Je vous jure. Ouais. Et c'est pas des brawlers qui sont bannis, c'est non, des brawlers c'est... qui sont sous-côté, jamais, justement tout le monde prend les mêmes, donc... Après c'est normal, il y en a qui sont toujours plus efficaces, hein, mais bon. Oui. Ricochet, je dirais que c'est toxique. Ouais. Je dirais que c'est best, c'est toxique, parce ouais. que en fait, quand tu vois Ricochet en face sélectionné, tu fais... Oh, oh ouais, ah oh, ouais. T'es, que ce soit en zone réservée, en brawl ball, en survivant... Ligue des clubs, là, et ah, tu ouais. vois le Ricochet pouvoir 11, tu fais... Oh. Oh, il va se déplacer vite quand il n'y aura plus de vie. Ah ouais, il va courir partout, il va il soigner. Il va faire son gadget qui soigne, tu vois. T'es en dépression, rien qu'à prendre, rien d'y penser. Rosa. Bah, je dirais que c'est une best. Moi, mais je dirais que c'est temps, une mouette. Parce qu'en fait, c'est... contrairement à Bull, contrairement à Frank, elle est juste giga forte. Elle, oui. en fait, elle est vraiment oui. quasiment impossible à péter. Oui. Toi, tu te fais une équipe, sinon, genre les trois derniers là. Ouais, mais elle est toxique aussi. Elle est toujours utilisée en Razzia quand il faut. Il y a le mais petit. Mais parce que c'est comme quand back. Il y a le petit buisson qui. T'as est... pas le choix. Oui, t'as c'est pas le choix. C'est-à-dire que si t'es pas dans un buisson avec Rosa, tu perds. Oui, c'est-à-dire c'est que... sûr, oui. En fait, là oui, où, elle est faite pour ça. Son, là où tu peux avoir des moves, associés, là où t'as des moves avec Mortis, t'es pas forcément toujours dans un buisson. Il y a des Mortis qui jouent buisson, il y a des Mortis qui jouent giga agressif. Oui, oui, t'as les deux. Tu vois, mais et Rosa, encore, t'as pas toxique. Le choix. Rosa, t'as pas le choix. Rosa et Corbac, t'as pas le choix de grappiller des points, de tirer de loin, oui, de te cacher, d'essayer de fourre, tu vois. C'est sûr. Emery, best. Bon, j'en suis encore au point où hier j'ai joué avec. non, mais hier j'ai joué à Assault Bot. Et en fait, j'avais Rosa, pouvoir 10, dans la map buisson, si vous l'avez fait, il y avait une grosse map la semaine dernière. Et ce qui se passe, c'est que à chaque fois que j'avais une chili en face, je fais bah j'ai perdu. Et t'avais perdu. Mmh.
Quasiment. Et après, tu vois, j'avais chillé avec moi aussi, et c'était nul. Alors, soit c'est ça, toi. Ouais, c'est toujours ça, en fait. T'as une chili avec toi, elle est nulle, parce que c'est quelqu'un qui a un compte à 5000 trophées. Et t'as une chili en face, elle est super forte. Et en fait, c'est horrible, parce que tu restes dans un buisson, t'attends d'avoir ton ulti, dès que t'as ton ulti, tu fais en boucle. Oui, ouais, non, c'est bon, c'est toxique. Non, c'est toxique. Vraiment, chili a toujours été toxique. Oui, oui, toujours. Et là, je suis triste, parce que franchement. Bah, en fait. C'est un best, mais il est toxique. Mais il est devenu toxique. Tout le monde le joue. Tout le monde le joue. Il est joué dans n'importe quel mode de jeu, en boucle. C'est donc, horrible. Donc je pense que c'est parti du Giga. Et c'est des forceurs. Je pense que ça fait partie du trio. Hein, là. Non, Best est toxique quand même. Ouais. Ouais, ouais, c'est quand même un légendaire. Léo. Tu vois le petit duo pour Léo. Ah ouais, ah non, voilà. Non, non. Oh, non. Duo, et en plus, c'est toujours ça, c'est Spike Korbach, Spike Léon Korbach. Non, mais là, de toute façon, vous prenez ça là. Là, c'est les duos qu'il y a. Moi, je suis sûre que c'est les brawlers les non, plus. Non, chez Limon, en vrai. Non, chez Limon. Chez Limon, ouais. Mais elle est toxique quand même. Oui. Wally est best. Il est best, il est incroyable. Il est vraiment giga fort. Ouais. Bon, désolé, Grom. Bah, en fait, non, il est pas nul. Mais en fait, il était tellement bien que quand il est passé. Ah, bah si, moi je dirais Surge. Stu, pardon. Stu. Parce que, en fait. Oui, il est pas si fort que ça. Il est nul. Il est chiant. Non, mais il est nul. Il est pas toxique. Je trouve nul comme brawler, tu vois. J'arrive pas à jouer avec. Tu vois, là où Grom, en fait. Oui. Tu peux un peu le faire. Là où Léon, il est toxique et tu peux le faire. Max, il est gigantesque, mais tu peux jouer avec. Et franchement, j'essaie avec Stu, je n'arrive pas à jouer avec Stu. Donc en fait, je trouve nul. Moi perso, je trouve nul. Ouais, c'est vrai. T'essaieras, tu verras, tu diras, mais il est nul. Non, mais vraiment. Vraiment, je pense que même Grom mérite pas cette place, tu vois. Je dirais Grom, mouais. Parce qu'il était mieux avant, tu vois. Et non, vraiment, Stu, il est nul. Squeak, j'ai trouvé nul avant. Ah, il est incroyable. Moi, je dirais. Non, on n'est pas d'accord avec Squeak. Il est best. Ouais, c'est comme c'est pareil, tu joues toujours avec. Bah, efficace alors. Moi je dirais moi, tu dis pas reste, donc efficace. Ouais, efficace, entre les deux. Oh non, mais là, on discute même pas. Serge, qui était un giga brawler, il est devenu toxique du jour au lendemain. Oui. Le moment où ils ont fait la refonte, ça a juste tout pété. Tara, elle pourrait être toxique. Tara est limite. Parce qu'en Brawl Ball, en zone réservée, en Razzia, en survivant. Elle est trop jouée, en fait. Elle est beaucoup, beaucoup jouée. Et quand t'es trop jouée, généralement, c'est pas ouf, quoi. Après, si, on va dire best. Non, elle est best. Hein. Elle est incroyable, quand même. Best, c'est toxique. C'est quand même toxique. T'attends ta petite ulti, hop, je la lance au bon moment, tu vois. J'avoue, c'est un peu fou. Je sais pas trop, j'hésite sur Tara. Tu vois, j'hésite un peu. Ouais, j'hésite aussi, ouais. Et Tick, finalement, pareil, j'hésite. Je dirais pas qu'il est toxique, mais en même temps, j'ai envie de dire toxique, tu vois. Ah non, il est Ouais. Je pense que c'est le meilleur lanceur, Tick. On a mis lanceur là-haut. Ouais, mineur. Direct, le truc, c'est vraiment le meilleur. C'était Grom. C'est plus Grom. Oui, c'était Grom, ouais. Ça a été Grom. Grom a perdu sa place. Bartaba fait très très mal. Bartaba fait mal. Mais ouais, si, Bartaba est fort aussi. Je sais pas trop. Bah, en fait, Dynamite, c'est vraiment son stun qui fait qu'il est meilleur que Bartaba. Non. Le stun, les mecs, c'est toxique. Oui, mais justement, qui fait qu'il est meilleur que... Les brawlers cachés dans un buisson depuis 20 minutes avec leur stun activé en mode le prochain... Et il a les 3 encore, rien que pour toi. Tu vois, punaise. Ouais, on va dire efficace. Non, il est quand même best. Hein. Best. Moi, je dirais best et j'enlèverais mineur et je le mettrais en efficace. Ouais. Bon. Tu veux comparer l'année dernière, il y a 2 ans? On va comparer et on va voir si on est d'accord et on va réfléchir en disant « Ah ouais, c'est vrai ». Best, Monsieur M, Jesse, Spike, Korbach, Dynamite, Emery, Ricochet. Ah bah Spike, il a dégagé. Le horrible, insupportable, nul, trop joué, Daryl, Shelly, Léon, Rosa, Tick et Bull. Bah tu vois, ça a parce changé. Que ça a changé, mais parce que ouais. T'as 10 000 fois plus de brawlers, donc ça équilibre un jeu. En fait, c'est là où tu vois que c'est fort. C'est qu'ils ont réussi à nous faire changer d'avis sur des brawlers sans forcément les retoucher, juste parce qu'ils ont rajouté d'autres brawlers. Oui. C'est-à-dire que Mortis... Ouais, il est toxique quand même. Non, mais on l'a mis dans Mouais. Ouais, il est dans Mouais. Là, il est monstrueux. Alors qu'il n'a pas changé, c'est juste qu'il est... Il peut contrer plein de brawlers. Parce qu'il y a plus de brawlers à faible point. Je trouve que ouais, il est... Ouais, c'est ça. Il y a plus alors qu'avant Mortis contre Shelly, contre Daryl T-Dead, contre Rosa T-Dead, contre Bull T-Dead, contre Karl T-Dead, contre Jean T-Dead parce qu'il te repousse. Ouais, enfin tu te faisais éclater. Oh la tronche de Max. Oh punaise, la tronche de Max. Mais il y avait que dalle de brawler. Ouais, il y avait que dalle de brawler. Bah en 2 ans et quelques, ça va vite. Hein. Je regarde les mouais qu'on avait mis. Bah non, Poco, c'est pas un mouais, finalement, c'est un best, quoi. Non, il est hyper fort, Poco. Ah, il a changé aussi, lui, ça. Ouais, il a changé. Il y a des brawlers qui ont changé. Pam, de ouf. Ouais, ils ont changé les têtes. Pam, de malade, ouais.
Polly, elle a pas changé, je crois. Si, Polly, je crois qu'elle a changé. Ils ont changé quasiment tous les brawlers. Non, Polly, elle a pas changé. Non, elle est pareil. Il y avait déjà eu, peut-être. Ah, eu, peut-être, ouais. Non, mais Max, surtout Max et Pam. C'est les deux plus grosses refontes, je trouve. Spike aussi. Ah, et Poco. Poco, j'ai dit. Ah oui, Poco, j'ai pas entendu. Emery aussi. Et Korbac. Emery aussi. Un petit peu. Et Emery, tous, ouais. Ils ont tous un petit peu, ouais. Tous. Bah si, Korbac, ils avaient fait ses skins et tout. Ah oui, bah oui, ouais. Ouais. Non, les skins, on n'est pas rendu, hein. Il y en a à mort non, maintenant. Non, mais on avait déjà fait le casier il n'y a pas très longtemps. Oui. Normalement. Attends, parce que... On en refera un de ces quatre. On en refera. Bon, bah oui, on espère que ça vous a plu. Bah voilà, ouais. C'est pas objectif. Hein. C'est nous, c'est notre ressenti. C'est pas sorti de données, d'utilisation dans les compétitions. Non, de... c'est que nous. Quel est le meilleur en ouverture de boîte? Qu'est-ce qui est le plus joué? Donc ne dites pas, oui c'est n'importe quoi, c'est juste notre ressenti. Eh ben c'est n'importe quoi, voilà. Honnêtement, dites-le nous aussi, le vôtre. Si et vous n'êtes pas d'accord avec certains brawlers, je pense que vous serez d'accord avec nous sur Max, Surge, Colt et Edgar. Edgar et Shelly. Non, je pense qu'on peut même mettre Léon. Je pense que là, on est vraiment sur le gratin du toxique, tu vois. Genre, les quatre premiers au moins, on exagère peut-être un peu pour Shelly, parce qu'en ouais, fait, c'est oui, le côté oui. noob. Je dirais qu'elle est nulle, en fait. Parce qu'elle n'est pas enrichissante à jouer, tu vois. D'ailleurs, oui. La preuve, personne ne le joue. Ouais. Bah, parce que c'est le premier brawler que tu as, donc t'as pas envie de jouer. Je dirais pas ouf, voilà. Pour le coup, quand t'as Léon, là, t'as envie de jouer Léon, c'est un légendaire, tout le monde l'a ouais, pas. Ouais, mais giga toxique, tu vois. Voilà, le 5, là, ils sont ouais, bien. Là, c'est le gratin. Là, c'est le high level. Pas hésiter à nous dire votre ressenti. Yes! Et puis on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo de Game et Kim. Allez, salut!